On fait un petit disclaimer pour démarrer la vidéo. L'objet qu'on va fabriquer est dans le domaine électrique. Donc on va manipuler de l'électricité à haute tension, mais à faible intensité. Alors on va fabriquer un objet qui est un point de vue scientifique très intéressant. Mais j'aimerais préciser que bien sûr il faut manipuler ça avec l'aide d'un adulte. Même les adultes doivent éventuellement faire attention, puisque ça peut également causer des brûlures. Donc manipuler ça avec précaution si vous le branchez. C'est parti les amis, on va passer au... à la vidéo. Bonjour, c'était Mago, cher fan électronique pour la chaîne Mago 2.0. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle construction DIY. Aujourd'hui on va partir sur un kit de bobine Tesla à monter soi-même. Et j'aimerais faire un petit aparté sur le présent épisode, le sapin de Noël qu'on a pu faire en petit kit LED électrique fonctionne parfaitement. Enfin, j'avais mis une LED à l'envers, c'est pour ça qu'il y avait un petit souci de connexion, enfin d'éclairage dessus. On sera accompagné d'un de mes reptiles, Yui, qu'on verra après dans la vidéo. Alors aujourd'hui on va partir sur le kit de bobine Tesla, comme je l'ai dit, et celui-ci coûte... Alors il est un peu plus cher par rapport à ce que je l'ai acheté. Avant il était à plus à 4,50€, là il est à 4,95€ malheureusement. C'est un petit peu augmenté. Il est noté à 4,87 sur 5 d'après les utilisateurs sur Banggood, et ça c'est vraiment sympa. Alors vous pouvez voir les différentes petites photos qu'on peut voir et qu'on fera gaffe à... voilà, on voit une bobine Tesla et on voit tout le matériel. Et on voit également le sapin que j'ai monté la dernière fois. Alors, une bobine Tesla peut produire du plasma à haute température et à haute pression. Celui-ci peut chanter, s'allumer, transmettre sans fil sur une lampe fluorescente légère. Alors, c'est vrai que peut-être des choses qu'on pourra peut-être pas vraiment faire, mais on verra ce qu'on peut faire dans la vidéo et n'espérons pas que la vidéo soit trop longue. Alors, c'est une carte de PCB. Le PCB, par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois, c'est le circuit imprimé. Donc, en fait, c'est vraiment la plaque verte qu'on avait. Une puissance de 15 watts. Bon, ça n'a pas consommé beaucoup. Par contre, l'entrée puissance 15 à 24 volts. Alors, heureusement, j'ai peut-être utilisé une alimentation de PC pour ça. Par contre, l'interface broche est en DC55. Je ne comprends pas trop. On verra bien. Et ça contient une prise audio jack en 3,5 mm. Et on peut brancher, bien sûr, le téléphone portable et tout. Bon, le principe de la bobine Tesla a été inventé par Nikola Tesla, un scientifique serbo-américain, en 1891. Voilà, il a découvert de nombreuses choses, des innovations à l'éclairage électrique, le spectre de la fluorescence, les rayons X, enfin, et le phénomène du courant alternatif à haute fréquence. C'est grâce à lui qu'on a le courant alternatif. Mais à cause de Thomas Edison, Nikola Tesla était un petit peu mis dans l'oubli et en second plan. C'est vraiment dommage parce qu'il a fini malheureusement seul et abandonné jusqu'à sa mort aux États-Unis. D'ailleurs, petite anecdote sur Nikola Tesla, à sa mort, je ne sais pas pourquoi, mais les policiers sont débarqués dans son appartement et ont tout récupéré. C'est la légende et donc... Voilà, donc principalement ça peut faire des fonctions d'arc électrique, de lumière et de lecture de musique. Ça peut être intéressant, je pense que comme est la fonction chantée des bobines Tesla, donc ça va être un petit peu marrant de peut-être voir ce que ça donne et on fera les tests plus tard. Installer d'abord des petits composants, bien sûr, ce qu'on va pouvoir faire. Et je ferai soudure de l'autre côté du PCB pour comme la dernière fois où j'ai merdé, je pense que j'ai dû abîmer quelques trucs en faisant ça sur d'autres projets. Et ce produit est sûr, le courant n'est pas élevé, il sera pas endommagé par un choc électrique, il n'est pas recommandé de toucher le haut de l'arc de la bobine. Ah ouais, bah ça c'est pas quelque chose que je ferais. Mais bon, j'ai encore la brûlure de la dernière fois, donc n'inquiétez pas. Alors, ne touchez pas le dissipateur de chaleur après une longue perte d'alimentation. Alors j'ai un pistolet... qui permet de mesurer les températures, donc ça pourrait peut-être encore le faire pour regarder la température de production. Il est recommandé que la bobine de Tesla fonctionne lorsque le gore d'objet est proche de la bobine. La bobine est à côté d'un demi-mètre de blanc ne peuvent pas être. Oh, ça c'est une traduction française bizarre.
La couleur réelle de l'article est légèrement différente, mais bon, c'est pas grave. Alors, nous avons le schéma électrique, on verra en parlera après. Le kit contient des résistances de 10 kΩ. Alors, ce qui est bien, vous allez pouvoir voir, c'est déjà imprimé dessus sur le PCB, donc ce sera pas embêtant. Il y a deux résistances de 2 kΩ, un type 41, je pense que c'est plutôt... je pense que c'est un MOSFET. Il y a deux LED, une prise audio jack, un condensateur électrolytique, c'est le condensateur chimique de 1 microfarad, un IRF 530, c'est un MOSFET NPN, une prise de courant, bah ça c'est le truc classique, on verra tout juste. Non, je ne l'ai pas encore fait voir, on va voir ça après. Une bobine primaire et secondaire qu'on verra. Un pilier en cuivre, je pense c'est plutôt le fil, mais c'est mal expliqué. Ah non, pilier en cuivre, c'est. Non, ce sont des. Ce qui sera mis pour le support du PCB pour le poser sur une table par exemple. Des vis qui sera mis avec les piliers en cuivre, vous verrez. Le dissipateur de chaleur, il y en a deux. Alors je sais pas pourquoi c'est mis un. Et le PCB qui fait 40, 76 mm. Bon, alors je sais pas pourquoi plus haut il marque. Non, plus bas. C'est marqué 8 mm. Non, 80 mm. Alors nous allons. Ici le schéma électrique. Alors le schéma électrique, on va pouvoir passer sur le circuit du schéma électrique. Je me gourre dans les applications. Nous avons ici, voilà, j'ai mis 5 volts pour éviter que le condensateur fait un truc bizarre. D'ailleurs, j'aimerais bien le remettre ici. Ici. Nous avons le schéma électrique que j'ai monté sur Every Circuit, une application qu'on peut avoir sur mobile. Là, le courant alternatif ici de 900 Hz, ça correspond à, bien sûr, à notre trade audio, parce qu'il n'y a pas de système pour dire l'entrée audio. Ici, nous avons le MOSFET NPN, condensateur céramique, condensateur chimique, les différentes résistances. Ici, les bobines, les LED, un transistor normal. Bah, donc, c'est donc il faut avoir un MOSFET plus un transistor normal. C'est de NPN, j'ai pas de terme gouré. Montation ici, je donne 5 volts. Et voilà, c'est à peu près ça, mais c'est vraiment sympa. Le problème, c'est que sur cette application, c'est que c'est trop condensé sur le circuit du. Pour créer un circuit, et ça, c'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de communautés sur cette application, et le problème, c'est que malheureusement, il y a des circuits tellement condensés qu'on ne sait pas vraiment où vont les fils et tout, et ça, c'est vraiment horrible. Alors on va retourner sur la page du shop. Ça, je baisse, voilà, l'application Boostax. Alors vous pouvez voir également ce que ça donne à peu près tout. Là par rapport à mon schéma électrique, c'était l'alimentation alternative. Et qu'on se gourre pas. Alors par contre le souci c'est que là nous avons le BD243 et le 80NF70 qui ne correspond pas, je ne pense, à mes bétails. Et d'ailleurs j'ai oublié un petit truc. Où sont mes télécommandes? non, elles sont là. Je vais pouvoir allumer un petit peu, ce serait beaucoup mieux. Voilà. C'est pas pour voir un peu mieux. Même pas, je vois même pas à travers le plastique correctement les références. Ici, nous avons voilà le PCB, le dissipateur de chaleur, la prise d'alimentation que nous avons parlé un peu plus tôt, le fil de 45 cm. Les deux bobines primaires et secondaires sur ce petit cylindre. Un condensateur céramique. Ici, nous avons les LED. Condensateur chimique. Une petite ampoule à filament pour faire les tests. Les résistances. Le MOSFET. Le PCB en gros plan. Et cette fois-ci, le PCB, on peut bien voir. Pas comme le précédent épisode. Là, on voit beaucoup mieux ce qui est indiqué. La bobine en gros plan, le gros fil, les dissipateurs de chaleur. Alors, dissipateur de chaleur, je vais utiliser ce ruban adhésif thermique. Je le mets à côté de mon micro, c'est plus simple à récupérer. Et je le mettrai entre le MOSFET et les dissipateurs de chaleur. Ce serait beaucoup mieux. En plus, déjà, d'une part, pour qu'il y ait une bonne conduction thermique. Et puis, comme ça, ils seront bien appliqués ensemble. Alors, ici, nous avons le RIF 530N, qui correspond même pas au schéma électrique, beaucoup plus haut. Ici... Peut-être le 80NF70, mais je ne sais pas. Ensuite, nous avons le type 41C. Je ne sais pas non plus. C'est deux MOSFET. Un qui fait un transistor. Et l'autre qui fait MOSFET. Pas thermogouré. Je crois que j'en ai des références là. En cas où, si j'en crame un. Dans les dissipateurs de chaleur ici. Et les piliers en cuivre, c'était ça. Ces petits bouts là.
C'est vraiment bizarre. Des piliers en cuivre, ouais, quoique. Qu'est-ce que c'est que ce petit bout? Ah, c'est le condensateur, d'accord, ok. C'est le condensateur qui se trouve au milieu, la résistance, ok. Nous avons. Alors, nous avons ici la bobine de fil primaire et secondaire. Je crois qu'il y a. J'avais mis, mais combien? 350, 350 tours sur la bobine. Et là, on vraiment un petit tour ici. Je crois que les deux sont protégés. Ouais, il n'y a pas de risque d'alimentation, de court-circuit et tout, parce que ici, la bobine primaire reste sur le PCB. La bobine secondaire, qui est ici, bien entendu, est isolée, bien sûr, du circuit. Normalement, si je dis pas de bêtises. Et voilà, ici un petit schéma, on voit vue transversale, voilà. 4,87, les différentes personnes qui ont mis. Et par contre, c'est pas mal, il y a quelqu'un qui a mis. Ah, quelqu'un a mis un ventilo. Ah, c'est intéressant. Qui a mis carrément une ampoule fluo compacte dessus. C'est vrai que les ampoules fluo compactes résistent. Enfin, elles produisent la lumière avec ça, c'est marrant. Nous avons aussi d'autres images d'utilisateurs qui font les petites lumières. Alors, par contre, si je dois utiliser ça, ça m'envoie la petite alimentation. Là, je vois que la personne. Est-ce qu'on peut pas mettre plus près? Une grosse alimentation, donc ouais, effectivement. C'est vraiment pas mal. Il y a des petites LED qui s'allument. Alors, on verra par rapport à ce que comporte Every Circuit. Parce que Every Circuit, là, il ne fait pas bouger les LED. Et donc, c'est assez étrange. Enfin, fait pas allumer les LED. Il me dit quoi que. Les LED, il y a du. Il y a 0 ampère dedans qui passe. Ok. Donc également d'autres photos. Bon, il n'y a pas grand-chose. Ouais, bon si, il y a le petit ampoule qui s'allume et on verra. En fait, l'ampoule, c'est vraiment principalement. Alors par contre, ça, je crois que c'est une personne qui. Ah non, non, c'est une personne qui a fait ça sur son plan de travail. Et nous allons passer à au montage. Alors, au montage, on va faire la construction. Hop, on passe à la construction. Alors, j'ai un nouveau stand. Enfin, je l'ai retrouvé dans mon canapé. Et là, il est bien attaché. Et là, on a le piou-piou. On a le reptile qui se trouve ici. Il est là depuis tout à l'heure. C'est mon Yui. On peut le voir directement un petit peu. Il est juste là. Très gentil, ces petites bêtes. On peut voir parfois sur la chaîne principale. Alors, nous allons pouvoir voir ce que ça donne. Alors, par contre, c'est vrai, je vais tourner un peu la caméra. On va le mettre un petit peu ici de façon à ce qu'on puisse déballer l'appareil. Oh, ah, c'est plus gros que je pensais, mais quand même. Nous avons le PCB. En fait, il est vraiment attaché ici la bobine. C'est écrit en chinois, donc ça va encore. Le type 41, il est là. Donc c'est parfait, c'est écrit dessus. Et le IRF 530, il est là. Nous avons les deux LED ici, le condensateur céramique, le condensateur chimique. Oh ben c'est bien, ah, et c'est vachement bien. Et là, nous avons le J3. Le J3, qu'est-ce que c'est que ça? C'est polarisé. C'est polarisé. Alors, qu'est-ce que c'est que. Non, le J3, il n'y a rien dessus. Ah, c'est censé être une diode. Je pense qui se trouve entre les deux bandes d'alimentation, plus et moins, mais apparemment J3 n'est pas peuplé, donc ça le fait. Alors par contre c'est un petit peu embêtant parce que je peux pas retirer ces symboles sur la caméra. C'est un peu normal parce que j'utilise ma caméra, je devrais utiliser une caméra en plus, mais bon, je vais pas me casser la tête sur ça. Ça a l'air beaucoup plus simple et moins de soudure à faire par rapport à la dernière fois. Nous avons les instructions ici. En chinois, nous avons bien sûr le J3 qui est là. Ah, le J3, c'est que j'ai compris. On va remonter sur la page du shop. Je viens de comprendre ce qui était écrit. Voilà, fin d'interface. Le J3, c'est le A2 qui se trouve entre le band positif et négatif. C'est le J3. Et en fait, ouais, A2. Et en fin de compte, tu peux l'utiliser pour ajouter un ventilateur sur les pardon, je vais trouver le mot, le ventilateur.
Alors, tout écrit en chinois. Il y a même un tableau carrément. Bah attends, on va revenir sur la page construction. Alors, c'est vraiment dommage parce que je vais devoir. Il y a carrément un tableau ici pour expliquer les couleurs des résistances. C'est assez intéressant, c'est bien écrit, c'est bien clair et lisible. Bon, tout est tout ce qui est en chinois, malheureusement. J'utiliserai mon téléphone à lecture. À la Google Traduction qui est directement sur le téléphone avec la caméra qui permet de voir. Alors, par contre, c'est vrai que j'ai mon téléphone. On va regarder vite fait ce que ça donne. Alors, je vais mettre l'application de Google Traduction. Alors, c'est du chinois, d'accord. On va regarder chinois. Appareil photo. Alors, qu'avons-nous là? Attention, les traductions en cours. Produit, frame, unité Tesla, la côté Tesla coil, tension variable, fonctionne sur le principe de la résonance. Ouais, c'est pas mal. En fait, ça explique principalement. Ah, par contre, c'est vrai que ça n'est pas dans l'autre sens, malheureusement. Et on va regarder sur le dernier paragraphe. Avantage. Bah, par contre, c'est vrai que si je bouge. Résonance à l'intérieur, restaure le son. Voilà. Ok. On s'explique à peu près ce que ça donne. En bas, qu'est-ce que c'est écrit? Ce kit. Ah. Est simple à fabriquer, un taux de réussite élevé. Le problème, comment est que la direction des bobines est inversée? Ah! Faudra qu'on fasse gaffe. Bon, en fait, ça explique un petit peu les avertissements et tout. Et ça est en dessous. Alors, le dernier paragraphe, assez AVC, assez de grande. Alors, le dernier paragraphe, il dit quoi? Si tout va bien. C'est vrai que c'est pas pratique si le papier il est plié ou autre. Côté noir de la machine. Ouais, bon. C'est pas très compréhensible. Faudrait que je mette ça plutôt sur une photocopie Canapla et tout. Parce qu'il y a un petit reflet du papier. Et bon. Bon, on n'a pas besoin de chercher plus loin, on va pouvoir commencer la construction, mes chers amis. Et remettre comme il faut la caméra. Et avec un Yui en arrière-plan. Coucou le Yui! Tu regardes la caméra? C'est bien le Yui. J'adore ces petites bêtes-là, moi. Nous allons procéder à la construction de la bébête. Enfin, principalement, on n'a pas tout déballé. Nous avons tous les composants électriques. Nous avons la bobine ici. Alors, par contre, ça se branche comment? Ça se branche comment? Ah, j'ai vraiment peur que. Nous avons un petit fil ici. Ah, nous avons un petit scotch là pour permettre de. Par contre, il ne faut pas que j'abîme parce que c'est vraiment dommage. Là, on a un tout petit fil ici. Ouais, on peut le voir sur la caméra. Et nous allons pouvoir voir. Alors, la bobine, je pense que ce sera la dernière composante qu'on mettra. On va mettre principalement tous les composants. Ce qu'on va pouvoir installer tout de suite. Ouais. Il y a toujours quelque chose qui tombe, mais c'est pas possible avec moi. On va commencer par quoi? Bah, les résistances principalement. Je pense qu'on va pouvoir faire ça. Ce qui sera beaucoup plus simple à faire. Là, par contre, ce qui est chiant, ce stand, c'est qu'il est un petit peu moins mobile. Il faudrait que je récupère l'autre support que j'avais la dernière fois et que je puisse, comment s'y dire, pouvoir correctement avoir une manipulation propre des pinces. Alors, hop, on va pouvoir zoomer comme il faut dessus, de façon à ce qu'on puisse correctement bien voir. Voilà, j'aime bien le montage des fois en direct, mais bon, c'est un petit peu embêtant. Alors, nous allons pouvoir commencer par les résistances. Alors, nous avons un groupe de résistances ici. On va pouvoir tester la première. C'est bien, le fer est déjà chaud. Alors ici nous avons
Résistance de 10 kilo ohms, et ça c'est bien. Alors je vais pas pouvoir mettre la page d'instruction comme j'avais fait la dernière fois, donc c'est un peu compliqué. Alors ici 10 kilo ohms, et franchement, quand les instructions sont écrites directement sur le PCB, c'est propre, moi j'adore. Ensuite, bon, on vérifie toutes les résistances au cas où on n'est pas assez après. Hop, on serait mieux. Hop, on vérifie. Il teste. 10 kilo ohm. Ok, c'est nickel. Résistance R4. C'est-à-dire que tout le reste, c'est du 2. Donc, ça va être rapide à installer. Donc, j'ai d'autres projets en cours qu'on aura l'occasion de faire. Bon, j'ai réparé une lampe de Noël hier. Je pensais faire une vidéo dessus, mais je ne l'ai pas fait finalement. En fait, j'avais une guirlande à pile qu'on achète en magasin. Et ma mère, là, elle ne savait pas que ça marchait. Il y avait une ampoule qui ne marchait pas. En fin de compte, j'ai vu hier en la réparant que c'était une soudure qui était mal faite. Et du coup, bah, j'ai dû démonter la gaine thermorétractable qu'il y avait dessus sur la LED dessus. Et j'ai pu bien sûr souder et après remettre une gaine thermorétractable. Alors j'ai pas pu mettre de transparent, j'ai mis une rouge. Mais ça n'a pas été trop gênant à la réalisation. Ah d'ailleurs, j'ai même pas de. J'ai pas pris de pince coupante là. Ah, c'est vraiment dommage. J'ai pas pensé à ça. On va pouvoir utiliser le petit bout de la dernière fois qu'on avait abîmé vers la fin. Ok. Bon, ça c'est simple. Ok. Bah, ça va être vraiment rapide cette fois-ci. Donc. N'a pas grand chose à faire. Alors par contre c'est vrai que j'ai quand même pas m'amuser à mettre mes doigts dessus. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Voilà, je commence à comprendre que je vais devoir changer la panne du fer à souder parce qu'elle est complètement morte. Qu'est-ce que j'ai pu souder avec cette année? Avant j'en avais un autre de fer à souder, je l'ai. Non, c'était l'année dernière, je l'ai. Il est mort. J'avais un autre de fer à souder, il est mort. En fin de compte, la tête de la panne, dedans, le fil, l'isolant a cassé, ça me fait un court-circuit. Donc j'ai soudé ensemble deux fer à souder, dont un avait l'alimentation qui était morte et l'autre c'était la résistance pour chauffer, donc j'ai fusionné en même temps et c'était vraiment pas mal. Donc j'ai pu fusionner deux fer à souder en un et d'ailleurs il fonctionne beaucoup mieux. Ensuite c'est vrai que je n'ai pas de pince à couper, pince coupante, c'est vraiment dommage. C'est la seule chose que j'ai oublié de prendre. C'est pas grave, on verra vraiment à la fin, quoique ce sera un petit peu gênant sur le court terme. Je n'ai rien à part un coupe-ongle. Le mec! Ce n'est pas stupide si ça fonctionne, comme on dit. Par contre, c'est vrai que je devrais éviter de faire ça. Et tant que ça marche, moi je dis ça, j'ai rien avec un coupe-ongle. Oui. Et Mago, il a ce qu'il faut ou pas vraiment au bon endroit. Par contre, je devrais éviter de mettre des... Oh, tant pis, il faudrait qu'un jour j'aspire mon clavier, moi. Donc voilà, nos résistances ont été installées. Ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, nous allons partir sur les LED. Je pense, oui, les LED, c'est de l'autre côté. On peut mettre le condensateur. Et ça va être simple, le condensateur céramique. Hop, le dedans. Hop, ça, c'est fait. Puis j'en ai des condensateurs comme ça en plus. Alors, les LED, au cas où, c'est du 3 mm. Les LED rouges, normalement, elles ont une consommation assez
assez simple, fin de consommation assez faible. 1,90, c'est là, 90, la longue patte, c'est toujours le plus vers le moins. Alors, ça par là, ok. Ensuite, le plus vers le moins ici, on vérifie si ça fonctionne. Elle fonctionne également, voilà, 1,90. 1 picofarad en capacité, d'accord, 1 picofarad. Wow! Ça a volé! Mon petit a eu le peur. T'inquiète pas, Yui. Tout va bien se passer. Voilà. Je tords toutes les pattes maintenant. Donc, c'est nickel. Bah, tout ce qui est petits composants, maintenant, tout est fait, quoi. On va pouvoir... En fait, ça va être vraiment simple. Sauf si je mets 3 plombs pour souder. Et puis, j'ai ce qu'il faut au cas où si... S'il y a un souci avec... avec les soudures. Avec les composants, si j'en ai cramé un... Donc là, les LED, c'est nickel. LED, ouais, bah c'est bon, c'est nickel. Ensuite, au condensateur céramique. Ok, dernière chose, dernière pâte du condensateur céramique. Il y a vraiment, mais vraiment du mal. Je suis en train de boîte, c'est pour ça aussi. Je pense que comme la panne est tellement abîmée, bah, toutes les pattes sont soudées et tous les composants. Le cupongle va resservir. Ah oui, mais c'est tellement pratique. Et c'est des pattes que passe coupante. Voilà, je peux vous recommander ça parce que c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à mettre? Bah, nous avons le condensateur que j'ai oublié d'installer. Le plus, il est là. Ça va être vite fait. On va profiter également pour mettre la prise audio qui est juste à côté. Ça va être vraiment simple en installation. Je vais plier ici de façon à le maintenir. Je fasse gaffe au condensateur. Je l'allume pas. Voilà, il ne bougera pas. J'ai plié la petite patte juste ici. On va pouvoir passer à la soudure avec une vue superbe des magots à chaque fois qu'il soude. Faudrait que je mette plutôt une caméra par-dessus et ça serait beaucoup mieux. Malheureusement, il faudrait que je prenne une deuxième perche. Et une caméra adaptée pour, parce que ma grosse caméra actuellement ici, ça ne pourrait pas le faire. Ça, je verrai pour investir dans une nouvelle caméra. Ensuite, c'est la partie la plus simple. Ok. Je suis pas habitué d'utiliser la main droite pour tenir. Hop, ça on dégage. Ok. Ah, on va tenir jusqu'au bout avec le petit bout. Ah, il faut pas hésiter à utiliser les chutes. Pour faire gaffe qu'on se brûle pas également. Voilà, c'est nickel. On remet tout ça. Hop, c'est parti. Renouveau coupongle. On se protège. C'est nickel. Alors, on a pu faire le plus gros.
On va passer la prise d'alimentation, ça va être simple aussi, donc je plie ça également. Et ceci, la dernière patte, appuyez parce que ça bouge hein, bien. Hop, rebelote. Je pense que je vais cette la dernière fois que j'utilise. Je vais peut-être prendre une pince et une pince pour tenir le bout. Ce sera beaucoup mieux pour éviter de me cramer les pattes et puis utiliser le bout jusqu'au bout. Alors, faut pas hésiter à utiliser. Hein. Ça coûte une pince à clamper, pratique. Voilà, c'est nickel. Maintenant que ça tient bien, on va pouvoir souder le reste. Le positif, juste ici. Et le négatif, juste là. C'est parfait. Plus que les MOSFET et la bobine. Alors, nous avons le type. Où sont mes dissipateurs? Ah, ils sont là. Voir à comment il faut les régler. Je dois les mettre à fond ou pas. Ouh! Alors, apparemment. Et je fais comme ça. Si je fais comme ça, il faut bien que la plaque soit ici, comme ça. C'est nickel. Au moins, j'ai correctement mon MOSFET bien mis en place. Allez, on va tenir jusqu'au bout avec ce petit bout. Voilà, c'est nickel. Bon, bah là, avec ça, c'est un peu compliqué avec ce tout petit bout. Bah, je pense qu'on va le jeter. Bah, au moins, c'est propre, c'est beau. Là, par contre, il faudrait bien que je récupère le petit bout que j'ai aplati. Et je vais pas réussir. Je vais pas réussir à le récupérer. J'ai trop aplati. Je m'en doutais. Hein. Non, je peux pas. Je peux pas l'attraper plus. Oh, dommage. Ce n'est pas faisable. C'est vraiment dommage. Ah, vérifier. Ah, faut vraiment le retirer là. Ah. Je vais couper ça. Donc, c'est nickel. Je vais pouvoir en mettre droit un petit peu aussi. S'il est droit, c'est mieux. Parce que souder pas droit, c'est pas. C'est mon fort ça hein. Ensuite, nous allons passer avec la bobine, carrément. Ça va être beaucoup plus simple. Hop. C'est mieux avec le bon angle. Toujours. J'aime bien la mise au point qui est toujours, toujours, mais bien propre, tu vois. Ensuite, le dernier point sur ce MOSFET.
pas réussir avec celui-là là. Vas-y. Vas-y. Je sais pas ce qu'il me fout lui. Augmente un peu la lumière parce que j'ai vraiment du mal à bien voir parfois. Vas-y, oh vas-y, fais des bons coups pour circuit, vas-y. Et tout ce que je veux pas! Normalement, ça devrait être bon. Je coupe les deux. C'est nickel. Alors, par contre, je suis pas sûr que celui du milieu est bien mis en place. Je m'en doute, sinon. Bon, on va pas s'acharner dessus. Il est bien mis en place. Bien mis. On va dire ça, hein? On va mettre le ruban. Le ruban thermique. Merci, si je vois pas, c'est très bien. Mettre le ruban thermique sur le MOSFET. Voilà, en déchirant, ça va le faire. Je le mettrai un petit peu après le dissipateur. Je pense qu'on a à peu près la même taille, donc je pense qu'on ne va pas être trop embêté. On devrait être bon. Un petit peu au cas où. Ensuite, avant-dernier gros composant. Alors celui-là, il y a trois soudures, ça va être beaucoup plus simple. Je dis ça depuis tout à l'heure, mais ils sont caca nerveux. C'est très mature ce que je dis, hein. D'ailleurs. En fait, la panne elle soude pas à 30. Ah, je crois que je vais passer à 60. Je crois que la panne est tellement morte. Faut que j'en achète une nouvelle. Elle a pas duré très longtemps hein, avec ce que j'ai fait. Vraiment, je vais prendre vraiment soin. J'ai tellement du mal à sauter dessus. Bon, j'ai coupé la barre d'à côté parce que j'ai déjà soudé. L'étain, il cherche des noises en voulant se coller à côté. Avec tous les temps que j'ai mis, si c'est pas soudé. Bon. À présent, tout est bon. C'est bien épais, je pense pas que ça va bien couper. En plus, c'est pas fait pour. Hein. C'est vraiment d'urgence, hein, ce truc-là. Fais gaffe à Yui, hein, c'est chaud. C'est chaud, Yui. Mais pas. Non, 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 c'est dangereux ça. Non, gentil, reste ici s'il te plaît. Voilà. J'ai mis trop d'étain, ça veut pas couper.
Ah, si, c'est bon. Ça a frictionné. Bien, 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 bien. Hop, une deuxième bande de scotch thermique. De l'autre côté. Assez simple à l'appliquer. Ouais, ce serait mieux si j'y arrivais à le couper. Waouh. C'est vraiment si mauvais que ça que couper du scotch. Aussi le plastique, aussi de protection. Qui fait que ça s'embête. Hop. Le scotch thermique dessus. Ensuite, on va pouvoir mettre les dissipateurs dessus. Il n'y a pas d'autres vis en plus par rapport aux les dissipateurs. Ok. Ah si, 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 ils sont là. Je croyais que j'en ai une qui partait en vrille. Alors, on va commencer avec le dissipateur. Je pense qu'on peut déjà au moins faire ça. J'ai un tournevis ici. Donc c'est nickel. On va pouvoir mettre le dissipateur dessus. J'aurais dû mettre le dissipateur de d'un côté de avant. Parce que là, ce n'est pas terrible. Hop. Je crois que je vais retirer ce bout-là. Va là-bas, tu seras un peu plus sage. Il fait le chantier. Hein. Là, il se met à explorer, c'est terminé. Je crois que j'ai un bout en trop, je vais couper. C'est beaucoup mieux. Alors tirer le scotch, ça va être facile. Ensuite, ce qui est pratique, ça va maintenir le composant parfaitement jusqu'à. Ça, mais c'est pas plus demandé ce que je fais. Je vais mettre des vis, enfin, c'est toutes les mêmes vis, donc je n'ai pas de souci avec ça. Alors ça, je déteste. Des fois les tournevis magnétiques, ça m'énerve. Hop, c'est nickel. On va resserrer ça comme il faut. Hop, le MOSFET 41 est installé. Alors le deuxième. Ah par contre là le deuxième, comment je vais faire ça moi? C'est pas faisable. Même si j'aurais mis un par un. Voilà, c'est nickel. Si des fois je n'aurais pas besoin de passer épilé. Deuxième dissipateur, on avance. Par contre, la mise en place de la deuxième vis va être horrible. Quoique, le problème c'est que ça va plier le PCB, c'est ce que je fais seul. Voilà, il tient en partie encore. C'est pour une session définitive. Voilà, c'est nickel, il ne devrait point bouger. Il y en a un que j'ai mis un petit peu plus haut. Le type, je pense que je vais peut-être remettre un petit coup de chauffage dessus là. Donc on sait à fond. C'est nickel, ça l'enfonce un tout petit peu et c'est exactement ce que je voulais. C'est parfait. Bien, 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 nous avançons à la dernière, une des dernières étapes et qui va être assez compliquée. Je n'ai pas de truc, j'ai pas mon
aussi que ça va le faire nickel pour dévider le câble. Alors où est l'entrée et où est la sortie? Bah, les deux. On dénoue sur. Ça ira. Je vais y arriver. C'est pas assez mieux. C'est parfait. Ensuite, on va mettre la bobine. Alors, par contre, la bobine, je ne sais pas comment faut l'installer. Je vais regarder sur la page du shop. Produit est sûr. Faut faire attention à que ce que la bobine soit mise. Voilà. Que je remette le fil comme il faut. On va remettre comme il faut aussi la caméra. Voilà. Ah ouais, on a une belle vue sur la construction. Alors ça dure à peu près une heure, je pense, au niveau de la construction. Mais on n'est pas loin de la petite heure. Je pense que j'ai peut-être dû faire quelque chose. Il est difficile à faire. Ah, je me disais bien, il faut gratter sur le fil. Alors, il me faut une. Il me faut un petit couteau, une petite lame, de façon à ce que je puisse gratter. Je me souviens bien, on va venir là. Voilà, un petit couteau suisse. Pas un couteau suisse. Une petite fonction. Normalement il faut gratter par où je vais gratter, il faut pas couper. Est-ce que ça retire une protection? Ouais, je vois que ça retire un petit peu quand même. Il faut bien maintenir le câble pour pas qu'il se barre. Voilà. Donc ça devrait être nickel. Bien. Après, il faut aller dans le sens anti-horaire. Alors, par contre, là... là, on va commencer à galérer un petit peu. Je pense que j'ai plutôt mettre... Voilà. J'ai dû mettre... Le détail avant. Voilà. Le câble. Voilà, c'est nickel. Maintenant, une étape assez difficile. Enfin, difficile, si je peux appeler ça difficile, c'est de tourner autour de la bobine sans endommager le câble qu'on a soudé. Et ça va être compliqué. Au pire, j'aurais dû faire ça tellement avant. Parce qu'on a encore quelques petites étapes. Je crois qu'on est bon niveau.
niveau tour. Comment ça tient pas du tout mon stand? Voilà. Et par-dessus pour souder l'autre côté. On prend la tronche. Pas un rond. J'ai tellement peur. Et je vais mettre de la colle parce que ça me fait tellement peur ce truc là. J'ai vraiment peur de péter le câble. Le câble fait moins d'un millimètre de long, donc bah de diamètre. Voilà, c'est nickel. Wow. Là, c'était vraiment chaotique. Ouais, faudrait vraiment coller ça parce que là, c'est pas quelque chose de formidable. Et voilà, les amis, nous sommes à la fin de la construction. En fin de compte, j'avais mis la rotation du fil à l'envers et le cylindre à l'envers. En fin de compte, le sens de la flèche sur le cylindre au moment où j'ai débranché ça, par contre, mais c'est bien que ça fait de la lumière quand on manipule simplement le mouvement avec la lumière. Ça crée un champ magnétique qui permet d'allumer la lumière. Voilà, ça s'éteint tout de suite. Alors, bien sûr, les transistors se chauffent très vite. Là, on est déjà à 40 degrés ici. Et l'autre côté, on a 60. Ah oui, faut éviter. Ah oui, putain, oui, effectivement, il chauffe bien. Faut faire gaffe à ça. Ne pas l'allumer trop longtemps parce que sinon, il va cramer. Alors, la position du ventilateur sur le côté, c'est pour bien brancher un ventilateur pour souffler sur les radiateurs des transistors MOSFET. Car ceci chauffe énormément, bien sûr, il n'y a plus de danger une fois que c'est débranché. Bien, une alimentation PC, ça fonctionne très bien, le PC portable. Donc le petit bout qui avait en sortie ici, le petit bout, c'est la sortie de la bobine. Et le grand bout qui était le long de la bobine, c'était bien l'entrée qu'il fallait bien souder ici. Il faut faire attention également, voilà, pour bien préciser, que le gros fil doit être dans le même sens de rotation que le fil de la bobine ici, de façon à ce que ça fonctionne. Je n'ai pas testé la partie audio ou avec le petit son qui peut sortir de l'étincelle. Déjà, c'est vraiment pas mal. J'ai pas envie de l'injecter une grosse tension dedans dans mon téléphone, par exemple. Si je mets mon téléphone dedans, j'aimerais pas faire. Et puis normalement, ça serait impressionnant à faire, mais j'ai pas encore vraiment confiance. Déjà, c'est déjà pas mal que j'ai réussi à l'allumer. Ouais, les chers amis, quand je vous disais, le lien est dans la description, les chers amis. Vous pouvez l'acheter à bas coût. C'est intéressant à comprendre, comme j'ai dit dans le petit disclaimer au début de la vidéo. Et c'est vraiment sympa de pouvoir construire ça. Ça prend une petite heure, ça va, c'est sympathique. Nous allons pouvoir nous quitter là-dessus, les chers amis. Bien sûr, merci d'avoir regardé cette chaîne Emago 2.0, mes chers fans d'électronique. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner, les amis, c'est très important pour le petit référencement YouTube. Et je vous dis à très bientôt, chers fans d'électronique. Car on se retrouve. Parce que ce serait bien de faire une nouvelle vidéo un jour et de construire d'autres trucs ou de réparer des choses. On se retrouve la prochaine fois. C'était Mago pour la chaîne Emago 2.0. Bye!